quelques minutes là, tu vas partir pour la première fois avec SLR. Tu te sens comment là? Pour l'instant ça va, je te dirai quand je rentre. Pour l'instant tout va bien, tout se prépare bien, donc j'espère que ça va aller. À mon avis tu dois être excité à mort, non? Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de commencer avec le team comme ça, et puis plus dans la Porsche Cup, circuit en ville et tout, c'est des courses sympas je pense. Ouais, un peu tendu. T'es toujours tendu toi? Ah, toujours, tu sais bien. Tu me connais toi, alors c'est bon. Donc là Dominique, on est à quelques minutes où Seb il roule pour la première fois pour SLR. Bah ouais, tu vois, il va arriver là, donc c'est ce que je viens de lui dire, c'est encore une fois de plus une première. Un des objectifs du team, c'est de faire rouler Seb dans une voiture du team, ça y est, c'est prêt, il va démarrer dans 30 secondes. Donc voilà, on croise les doigts et que tout se passe bien. Avec les vieux. Je suis parti, j'ai fait 4 tours lancés en vieux pneus, où j'avais déjà le meilleur temps, avec des vieux pneus qui avaient 100 bornes ce matin, qu'on a remis, qui ont fait toute la séance de ce matin, plus celle-là. Ouais. Après, ouais, donc il y avait 150 bornes. Donc après, quand tu fais ton super temps, là, putain, j'ai rien. Ouais, donc en fin de compte, ouais, t'as fait comme une séance qualif. Tu trouvais que ça tapait dedans, dans le pneu neuf, ou tu penses qu'on devrait être plus agressif en pression? Peut-être un peu. Le problème, c'est que demain matin, à la fraîche, moi, je suis... C'est pas le matin, c'est l'après-midi. Ouais, vous mais ouais, enfin moi, au réveil. 15h, c'est son réveil, tu vois. Reprendre le rythme. Mais bon, ouais, non, ça, je crois que ça a été, là. C'est 15h15, ouais. Parce que c'est possible. Là, on est trop conservateur, à mon avis. Mais après, le problème, c'est qu'on réduit le nombre de tours où ça marche, quoi. Ça marche 3 tours, en fait. Le premier, j'exploite pas le pneu. Le premier tour, je prends un tout petit peu de sous-virage sur le premier tour en fait lancé par rapport au run d'avant en fait. Un tout petit peu. Et comme il y a vachement de virage bondé là, un petit peu. Et après, j'ai fait pire au fin de tour après parce que j'ai retapé dedans direct. Et là, ça a arrêté, mais fort. J'ai tout freiné sur l'arrière et la boîte avec la roue arrêtée devant. L'arrière m'a permis de tourner quand même. Parce que sur le moment, je me suis dit, j'étais moyennement sûr que j'allais tourner quand même. J'ai tapé un bloc dedans pendant 10 tours. Pendant 10 tours, je suis en dessous de 20, 1,20, je suis en 1,19 pendant 10 tours. Et à la fin, justement, je voulais juste noter, parce qu'après en course, le rythme en fin de course, il faiblit. Mais là, ça veut dire qu'après 10-11 tours, il faut commencer à plus aller trop chercher loin les freins, tu vois, parce que tu risques de te faire avoir. Bonjour, nous sommes avec Cougar 2012 à Guenot, en direct. Un petit mot, Cougar. Sois pas jaloux, Steve.